Poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de ce mois de mars. Bon anniversaire au deuxième et au troisième décan. Le soleil est chez vous. C'est en général, on vous fait la fête. Hein, deuxième décan, ça va être même très sympa parce que vous êtes dans une période où vous, de progression. Hein. Mais bon, troisième décan, le soleil, hein, au moment où il passera dans votre décan, il sera forcément conjoint à Neptune, plus il y aura une autre dissonance. Donc, hein, préparez-vous à une période anniversaire un petit peu compliquée où vous pouvez être... ça peut être très positif comme ça peut être négatif. Hein, négatif au sens où il y a de la dépendance, il y a peut-être une relation toxique, vous voyez, tout ce qui est du ressort de Neptune. Mais ça peut aussi être un énorme succès. Hein, chacun à votre niveau. Si Neptune était bien placé le jour de votre naissance, eh ben bon... Votre période anniversaire vous verra de nouveau briller et avoir une influence hein, très positive sur ceux qui vous entourent et même parfois sur d'autres. Après le 20, c'est le bélier qui va être au premier plan. Et le bélier, hein, il gère quoi? Il gère votre argent, la manière dont vous le gagnez, votre confort, ce que vous faites pour votre confort. Pour, et qu'est-ce que c'est le confort? Ben, c'est d'être... surtout en bonne santé, hein, d'avoir de l'argent bien sûr, mais d'être aussi en bonne santé. Donc, pendant la période bélier, occupez-vous de vous, hein, de votre bien-être, essayez de ne pas trop dépenser d'argent aussi. Du côté des activités, eh bien, c'est Mars, et Mars, elle termine ce mois-ci, son long parcours en Gémeaux. Alors, depuis le mois d'août, elle vous a certainement embêté par moments, hein, surtout deuxième et troisième décan, hein, troisième décan en particulier. Donc, elle y revient, là, le premier, elle va de nouveau vous embêter, troisième décan, avec sa dissonance avec Neptune, hein, qui est vraiment... typique des embrouilles, du découragement, des mauvais choix qu'on peut faire, hein, qu'on a fait, et peut-être dans le passé, et on se rend compte, on en prend conscience. Hein, quoique quand même, Mars-Neptune, les prises de conscience, je crois que plutôt qu'on avance dans le brouillard. Hein, j'ai bien peur que vous avanciez dans le brouillard hein, ce mois-ci, mais bon, Mars... hein, le 25 termine sa course en Gémeaux et elle entre en Cancer et elle va être en bon aspect avec le premier décan. Hein, on en parlera le mois prochain hein, parce que là vraiment la première partie du mois hein, c'est le troisième décan avec. En même temps, vous pouvez aussi être dans un travail qui ne vous plaît pas ou vous ennuyez, vous n'en voyez pas le bout, vous vous demandez comment faire pour vous en débarrasser. Ce qui sera possible, hein, on en reparlera aussi à partir du mois de mai, fin mai, quand Uranus va vous envoyer un bon aspect. Côté cœur, Vénus est en bélier, hein, jusqu'au 16. Alors, c'est sûr que, bon, vous allez avoir des demandes particulières, vous aurez besoin de câlins, besoin de sexe aussi peut-être. Voilà, ce sont vos besoins qui vont être vraiment au premier plan. Et votre argent aussi. Hein. On l'a dit tout à l'heure que le bélier représentait votre confort, vos besoins affectifs et matériels. Donc peut-être que Vénus va jouer un rôle positif du côté de vos finances et que vous allez peut-être faire quelque chose qui va vous rapporter ou qu'on va vous rembourser de l'argent qu'on vous doit ou que vous allez faire un emprunt. Hein, tout ça pour être dans un meilleur confort. Maintenant, si c'est vous êtes dans l'affectif, hein, si c'est votre vie affective qui est concernée par cette Vénus en Bélier, bon, ben il faut être conscient de ce dont vous avez besoin et il faut le réclamer.
Bon, après le 16, Vénus sera en taureau, là, ce sera beaucoup plus agréable. Vous aurez des très bonnes relations avec votre entourage et peut-être l'une d'entre elles sera beaucoup plus complice, plus tendre, comme ça, vous serez à la limite. Vous saurez pas trop hein, si c'est de l'amour, de l'amitié, bon, de la fraternité. Enfin, bon, ce sera un mélange un petit peu de tout ça. Et bon, vous allez avoir une période agréable. Et comme Vénus est rapide, bon, ce sera tout le premier décan, une partie du second qui sera concernée. Alors, le 2, le 11, le 16 et le 25, voilà les meilleures journées de votre mois de mars avec, bon, évidemment, la possibilité d'être fêté comme il se doit, d'être mis en lumière et aussi d'avoir des beaux cadeaux. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de nous rejoindre sur notre live du mardi soir. Et pour plus d'horoscopes, vous avez notre site celastro.com ainsi que nos réseaux sociaux. Et puis enfin, si vous voulez des consultations avec Zoé ou avec moi, vous nous écrivez à l'adresse qui s'affiche.